Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui trop contente, on se retrouve pour un petit haul des soldes. J'ai trop hâte de tout vous montrer, je viens juste de rentrer. Il est quelle heure? Il est 14h, on est mercredi 15 juillet, donc le premier jour des soldes. Je suis allée ce matin avec ma soeur du coup à Euralil. On a fait petit tour chez Bershka, Undies et Zara. Donc voilà, j'ai pas mal craqué, mais c'est une des dernières fois que je vais craquer aussi fort, parce que faut que je commence à mettre de l'argent pour un certain projet qui arrivera à la rentrée. Bref, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai quand ce sera concrétisé. Mais du coup profitez de ce haul, parce qu'à mon avis ça va pas arriver avant longtemps. Ça tombe, je dis ça, mais dans 2 mois j'ai recraqué, mais normalement non. Donc bref, on va commencer tout de suite. J'ai trouvé pas mal de choses. On va commencer avec Bershka. Je pensais trouver plus de choses que ça chez Bershka. Au final j'ai trouvé quand même 3 pièces. Donc en premier on a ce short, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais de toute façon je vous montrerai les pièces portées en try on. Du coup on a un petit short tie-dye rose, très très mims. Je l'ai pris en taille S et il était à 12€ seulement. Il est franchement trop mignon. En plus il y a une petite inscription ici. Il est trop trop beau. Le rose sera parfait. En plus c'était en Guadeloupe, ça fera vraiment beau je pense. Donc très fan. Ensuite j'ai pris un ensemble, donc toujours chez Bershka. Je vais vous montrer d'abord le short. Donc en fait on a le short dans cette matière. Je ne saurais pas comment décrire cette matière. Donc en fait c'est écrit Malibu. Peut-être que vous vous rendrez compte de la matière de près. Mais en fait c'est genre côtelé. Je sais pas, c'est un effet bizarre mais j'aime trop. Et vous avez le haut qui va avec ici. Trop trop mims. Donc il n'y a pas de manche. Il est crop top comme ça et il est coupé en fait. J'aime trop, il est trop trop beau. Et franchement il a pas l'air du tout transparent. La matière est hyper épaisse, donc voilà. J'ai pris du S pour le haut et pour le bas. Et le haut était à 9€ et le bas à 12,99€. Donc voilà, on a déjà fini chez Bershka. J'avais trouvé que ça, je pensais trouver plus de choses en solde. Mais c'est vrai qu'en magasin j'ai pas vu grand chose. Donc ensuite on est passé chez Undies. Et ça c'est Zara. Je vais déjà les rapprocher. Bon là pour le coup je sais pas quoi penser du short, je le voyais plus oversize en fait quand je l'ai pris, et là pour le coup je le trouve un peu serré alors que c'est du S quoi, enfin je comprends pas, à moins que j'ai pris un max de cul depuis clothing, mais franchement je comprends pas, je l'aurais vu un peu plus oversize, genre je me sens un peu pas serré, mais voilà quoi, j'aime bien quand c'est large et quand c'est fluide, et là pour le coup peut-être prendre une taille au dessus quoi. Mon dieu, pour le coup là je suis trop trop fan, le short est incroyable. Je sais pas si vous voyez la différence en fait, mais je préfère en fait cette forme un peu plus évasée. Vous avez les petites poches juste ici. Franchement il est trop canon cet ensemble. Le haut c'est parfait en taille S. Je suis trop trop fan. Pas du tout transparent, il n'y a aucun problème à ce niveau. Il est trop beau cet ensemble, vraiment je suis trop trop fan. Incroyable. Je pense que vous allez me voir tout l'été avec cet ensemble hein. Vraiment il est incroyable. Magnifique, 10 sur 10, bravo Bershka. Bon, chez Undies j'ai trouvé des sous-vêtements, je pense que ça va pas intéresser plus que ça. J'ai juste pris des culottes parce que comme je vous le disais, je mets plus de soutien-gorge. Allô? Allô? Ouais, je filme. Bah je me mets en route. Ok, bah vas-y, tu peux venir. Je suis en trottinette par contre. Vas-y, bah nickel, comme ça j'aurai le temps de finir. Ok. Ouais. Bisous, à tout de suite, je t'aime. One eternity later. Du coup je disais, les culottes je les ai prises en taille S pour toutes. Elles étaient à 4€ au lieu de 7€. J'ai pris celle-ci, bon je vais pas vous montrer en détail hein, c'est des culottes, vous avez des petits élastiques sur le côté. J'en ai pris un en lilas, bien sûr du lilas jusque dans mes sous-vêtements, c'est plus possible. Et j'en ai pris une comme ça avec un petit élastique où il est écrit Undies. Donc ça c'était à 4€. Ensuite j'ai pris une chemise de nuit, nuisette, je sais pas trop comment on peut appeler cette chose, en lilas, c'est exactement la même couleur que la culotte. Et voilà, ça c'était à 7€ au lieu de 17€. Je l'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait plus de S. Et ensuite j'ai pris un petit pyjama, ça c'est trop mignon, enfin c'est assez sympa, c'est basique. Vous avez le petit short comme ça qui était pas soldé il me semble, je sais plus. Je pense qu'il était quand même soldé parce qu'il me semble que je ne l'ai pas payé plein pot, mais il était quand même à 7€ en taille S. Et ensuite le haut je l'ai pris en taille S, 7€ aussi, donc c'est le haut qui va avec, orange. Très, très basique quoi. Bon je vous montre quand même le petit ensemble de pyjama porté, même si je pense que vous vous rendez un peu compte à quoi ça ressemblait, mais je voyais ça plus oversize quand même, c'est vraiment très près du corps. Après la matière est hyper confortable, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là très confort, et j'aime beaucoup. Bon après les culottes et les nuisettes je vais éviter de vous montrer porté, mais voilà, en tout cas l'ensemble de pyjama très très bien.
Après ça, on est allé chez Zara. En fait, à la base, on voulait aller chez PNB et Stradivarius, mais il y avait une queue de malade. Vu que les magasins étaient assez petits, bah du coup il y avait une queue de dingue, on pouvait pas rentrer à plusieurs dedans. Le Zara, vu qu'il était plus grand, il n'y avait pas de queue, donc on allait chez Zara. J'ai trouvé quelques trucs, donc j'ai pris un body. Tout le monde a ce body, je sais, mais fallait que je me le prenne du coup, parce que c'est un basique je trouve, et il était à 12€ seulement. Je l'ai pris en taille S, vous savez, c'est le body simple en fait, basique, avec le col américain que tout le monde a en fait, mais voilà, au moins c'est un petit basique qui sera parfait pour cet été. Ensuite je me suis pris deux autres basiques, toujours chez Zara. Donc c'est deux shorts, en fait c'est les mêmes shorts que mon bleu que je vous avais montré dans un haul précédent. Je l'ai pris en noir, il était à 17€ il me semble, ouais 17€. Je l'ai pris en taille 36, il est hyper bien taillé en fait. J'aime trop cette forme de short chez Zara, enfin ils me vont parfaitement. Donc je les ai pris en toutes les couleurs que je pouvais. J'ai pris le blanc également, le blanc j'ai l'impression qu'il est un peu plus long. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais franchement trop beau aussi. Il est en taille haute, je l'ai pris en taille 36 et lui par contre 19€. Donc ouais, on sent qu'il est un peu plus long que le noir quand même, j'ai l'impression. On verra dans les try-ons, mais trop beau. Et là en fait vous avez le détail, vous avez beaucoup plus de boutons aussi, d'où la différence de prix je pense. Mais voilà, en tout cas des petits basiques. Et ensuite j'ai pris deux pièces pas du tout basiques et que je pourrais certainement pas porter tous les jours. Mais franchement j'ai eu un coup de cœur. C'est une robe en satin rose, elle est magnifique. Bon, on va se rendre compte de rien du tout en vous la montrant comme ça, mais elle est trop belle. En fait, vous avez des élastiques comme ça sur le côté, elle est foncée. Et en fait, dans le dos, elle est croisée au niveau des bretelles. Enfin, elle est juste magnifique, la couleur, elle est ouf. Je vous la montrerai portée, là j'ai trop hâte de l'essayer, mais franchement, elle est magnifique, je trouve. Je l'ai pris en taille S. Par contre, celle-là, elle est un peu plus chère que ce que j'ai acheté. Elle était à 29€. En taille S, elle est magnifique. Cet été, quand je serai bronzée... pépite. Et enfin, dernier coup de cœur, franchement je suis amoureuse, elles sont magnifiques, c'est des talons verts, comme ça, elles sont trop trop belles, toujours chez Zara, donc j'ai pris la taille 39, elles sont hyper confortables pour le coup, je les ai déjà essayées parce que franchement je pouvais pas m'empêcher, mais elles sont hyper confortables, après ça reste quand même des talons aiguilles, c'est mes premiers talons aiguilles d'ailleurs, j'ai une seule paire de talons, c'est des talons avec... avec un talon carré en fait, et elles sont hyper stables, c'est des 6000 London, des noirs, je vous mettrai une photo juste ici, vous les aviez kiffées. Et en fait j'avais pas de talons aiguilles comme ça, et j'ai craqué, la couleur est magnifique, le petit nœud devant ça me rappelle en fait les sandales Prada dont je rêve depuis que je suis gosse. Et voilà, c'est pas du tout le même prix, là elles étaient à 39€, donc franchement je trouve que ça va pour une paire de talons comme ça. Elles sont magnifiques, vraiment, ça fait une jambe trop trop belle. Et même avec un petit vernis blanc, avec un petit bronzage CT, elles vont être trop canon. Donc ouais, 39€, je les ai pris en taille 39. Et en fait, elles sont hyper confortables. En fait, là, vous avez une sorte de... enfin, c'est hyper mou. Du coup, ça fait que ça, c'est hyper confortable. Et là, je vois qu'il est marqué Airfit Comfort Technical. Hein. Donc je sais pas, vraiment, c'est une technique spéciale pour le confort. Mais franchement, chapeau à Zara parce qu'elles sont très confortables. Et le talon est ni trop petit, ni trop grand. Genre vraiment porté, elles sont dingues. Bon, du coup, le body 10 sur 10, très bien. Il est hyper confortable. C'est un peu une matière maillot de bain. C'est franchement trop joli, pas de transparence, donc nickel. Après, le short, je le trouve très serré. J'irai peut-être l'échanger. Mais en fait, c'est pas la même coupe que mon bleu, donc je suis un peu déçue. Il est quand même très court, je trouve, et quand même assez serré, alors que c'est du 36, c'est ma taille habituelle. Donc, je sais pas, je vais essayer le blanc, mais en tout cas, le noir, je pense que je vais quand même aller l'échanger, parce qu'il est un peu serré, quoi. Bon, celui-ci nickel du coup, aucun problème, j'aime trop, il y a des petits détails un peu déchirés et vous voyez la différence quand même, il est quand même un peu plus long que le noir, je suis plus à l'aise parce que c'est vrai que le noir il est super court et il est super serré alors que pourtant c'est la même taille. Donc je sais pas, mais le blanc on valide et franchement un total look white comme ça c'est trop trop mimes avec des petites touches de pastel en accessoire, nickel. Je l'ai mise avec des talons pour que vous vous rendiez compte, mais franchement avec des baskets je trouve que limite ça fera encore mieux. Ça cassera un peu le look assez habillé de la robe. Oh, mais j'aime trop, elle est trop trop belle. Elle est magnifique, franchement j'ai rien à dire, la qualité est ouf. Derrière elle est croisée dans le dos, je vais essayer de me retourner pour que vous puissiez voir. Mais franchement, trop trop belle. Elle est pas trop courte, pas trop longue et elle va aussi bien je trouve du coup avec des talons et avec une paire de baskets. Franchement avec un petit bronzage en plus là, ça sera trop trop beau. Bon, du coup voici les talons portés, ils sont genre incroyables, j'ai rien à dire. Comme vous voyez le talon genre il est ni trop grand ni trop petit, ça fait un trop beau pied. Je suis trop trop fan.
montre de plus près. Franchement, elles sont trop trop belles. Et le talon, il est quand même assez confortable, même si c'est des talons aiguilles. Bon les gars, petit update, je suis allée chez Zara pour essayer d'échanger mon short, mais il n'y avait plus ma taille. Donc je suis allée chez Stradi, j'ai trouvé celui-ci. Je l'ai pris en 34, il était à 19€. J'en ai profité pour craquer pour une petite brassière très mignonne. D'ailleurs il y a une tache là, il faut que je la lave. C'est en matière genre un peu maillot de bain et franchement très mignonne. Après elle maintient pas de ouf, c'est vraiment histoire d'avoir un petit top et l'ensemble est très mignon. Je suis assortie à mon Jojo. Bébé, ça va? Donc voilà, dernière update de ce haul. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce petit craquage. Franchement, je suis trop contente des pièces que j'ai pu choper. Je vous l'ai pas dit, mais je pense qu'il y avait 3 quarts qui sont pas en solde. Chez Bershka, on n'a rien qui est en solde. Chez Zara, on avait rien qui était en solde. En fait, les seuls soldes que j'ai fait, c'est chez Undies. Donc voilà. Après, c'est des prix assez bas, je trouve. Donc voilà. Ça a été quand même. Dites-moi en commentaire la pièce que vous avez le plus kiffé, si vous avez craqué sur une pièce, si vous êtes allé faire les soldes ou vous avez chopé. Dites-moi tout, c'est grave cool de pouvoir échanger en commentaire. Donc je vous attends ici. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez des photos portées de toutes mes tenues, je vais tout poster sur Instagram, je pense, au fur et à mesure. Et cet été, je pense que vous allez les voir beaucoup. Donc voilà, ça se passe là-bas si vous voulez retrouver des petits looks portés. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.